Salut les manchots, Ubuntu 22.04, bêta test. Nous allons faire le tour ensemble des distributions officielles de Ubuntu en version 22.04. Pour l'instant, c'est la version bêta, elle sortira en version définitive à la fin du mois d'avril. Alors, tout de suite, je vais vous lancer le htop rapide de Ubuntu. Alors, j'ai fait quelques tests pour voir un petit peu l'évolution. Alors, comme vous pouvez le constater, au niveau de la consommation mémoire à vide qui se trouve ici, on est toujours à peu près au même niveau, à peu près 1 giga de consommation mémoire à vide. Alors, les petites évolutions qui ont eu lieu, c'est au niveau de Ubuntu. Ici, vous avez Ubuntu Performance depuis la 21.10. Nous avons une option qui se trouve ici que vous pouvez activer. Vous pouvez soit faire fonctionner l'ordinateur en mode équilibré, en mode performance ou en mode économie d'énergie. Alors, comme on peut le voir, là j'ai mis Ubuntu en mode éco sur la version 21.10. On le voit que le rendu de la vidéo Canon Live met 11 minutes. Donc 11 minutes pour le rendu Canon Live, là on est en mode économie d'énergie. Alors j'ai refait les tests avec Ubuntu en version performance pour la 22.04. Là on est à 4 minutes 58, on est à peu près quelque chose d'équivalent par rapport à Ubuntu qu'on avait avant. Et en version équilibrée, Ubuntu en performance équilibrée, là je suis à 5 minutes. Donc pas de grosse différence entre les versions performance et équilibrée, mais vous allez pouvoir économiser de l'énergie en mettant le mode économie d'énergie comme ici. Si vous n'avez plus beaucoup de batterie, hop, je vais le mettre en mode équilibré. Alors là, j'ai mesuré aussi les temps de démarrage. On est à peu près à 18 secondes pour le temps de démarrage. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous avez le menu du GRUB, il faudra valider le plus rapidement possible, puisque le menu du GRUB est pris en compte pour les temps de démarrage. Si vous passez 5 secondes ou 10 secondes sur le menu du GRUB, ça va être s'ajouter aux secondes qui se trouvent ici. Autrement, qu'est-ce que l'on peut dire sur la charge du système? On le voit, c'est à peu près équilibré, 4.49, 4.37. Et on a un rendu vidéo qui est en 4 minutes 58. Ce n'est pas le meilleur des rendus vidéo. Nous le verrons par la suite car nous allons faire le tour des distributions assez rapidement. Alors, j'ai fait un petit bilan de cette Ubuntu 22.04 que nous allons voir ensemble. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé comme point positif? Bon, ben, c'est une version qui est stable et efficace. Ça fonctionne bien, je n'ai pas de soucis avec, ça fonctionne nickel. Et nous avons accès à des nouveaux paramètres. En effet, nous avons des nouveaux paramètres qui sont disponibles ici. Hop, paramètres. Et vous avez ici des menus qui sont assez sympathiques qui ont été rajoutés. Alors, je vais aller dans le menu apparence ici. Alors, bien sûr, vous avez l'arrière-plan. Vous allez avoir des nouveaux arrière-plans qui seront disponibles ici pour cette nouvelle version de Ubuntu 22.04. Et dans les apparences, nous avons des nouveaux menus qui sont apparus. Alors, ici, je vais prendre le menu. Je vais le passer sur la gauche. On peut le mettre sur la droite. Tout en haut ici, vous voyez, hop, ça c'est pratique à utiliser. Et nous allons voir ensemble, je vais lancer l'explorateur de fichiers qui se trouve ici, hop. Et vous avez le choix maintenant de couleurs qui sont disponibles directement ici, ça réagit automatiquement. Vous pouvez choisir du vert, du bleu, les couleurs sont assez sympas. Hop, du rose et du rouge. Donc ça, c'est des menus qui ont été rajoutés, puisque dans la version GNOME, généralement, on ne peut pas configurer énormément son système. Mais là, il y a des menus qui ont été rajoutés. Alors, vous avez bien sûr la version Dark, si vous voulez, la version Dark. Là, on va rester en version Light. Et vous pouvez jouer aussi sur la taille des icônes. Taille normale, taille large ou petite. Donc ça, c'est les icônes que vous allez retrouver sur le bureau. Hop, si je descends sur le bureau, ici, nous avons les menus ici qui vont normalement être représentés plus petits. Si je reviens dans les paramètres, je vais les mettre en large. Hop là, voilà. Là, le menu va un petit peu évoluer. Je peux rajouter aussi le menu, hop, le dossier personnel qui se trouve ici. Alors, j'ai encore des choses qui sont en anglais ici, mais ce n'est pas un souci, ça va passer en français. Pour l'instant, c'est toujours la version bêta, donc ne vous inquiétez pas. Alors ici, il y a un nouveau menu, panel mode. Alors, regardez sur la gauche, là, ça va un petit peu évoluer. Je ne sais pas exactement à quoi ça correspond, mais je vais le désactiver ici. Hop, le menu ici a un petit peu évolué sur le bord, là, et je vais le remettre ici, panel mode, hop, et là, je vais utiliser tout l'écran ici sur mon ordinateur. Ensuite, vous avez la taille des icônes, bien sûr, qui sera évoluée. Hop, un peu plus petit, un peu plus gros sur la gauche. Ça n'a pas tellement changé. Et ici, nous avons aussi la position de l'écran. Alors, à gauche ou bien en bas, hop, ça se fait assez rapidement. Si vous voulez reconfigurer un petit peu l'ordinateur.
Et vous pouvez faire aussi une configuration du dock Behavior. Alors Behavior c'est quoi? Donc voir, donc c'est le menu qui se trouve sur la gauche ici. Hein. Je peux enlever par exemple Shout Trash. Donc ça c'est la corbeille qui se trouve sur la gauche. Je vais pouvoir la désactiver ou la réactiver. Et puis ici mettre les menus, inclure les volumes montés. Et je vais avoir les volumes montés qui vont apparaître ici. Donc c'est une option qui a été rajoutée hein, sur cette version de Ubuntu en version 22.04. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau aussi sur cette nouvelle version? Alors, nous avons un nouveau menu ici qui s'appelle Multitâche. Hop là. Donc là, vous avez les coins qui sont actifs. Maintenant, ce menu est disponible directement dans les paramètres, dans les coins paramètres. Je peux aller ici tout en haut à gauche, hein, et j'ai les coins qui sont actifs. Alors, il y a d'autres menus qui sont aussi activés. Un bord de l'écran actif, hein, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. On peut mettre sur le bord de l'écran, c'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Les espaces dynamiques, vous avez encore d'autres menus qui sont disponibles ici et qu'il sera possible de configurer. Dans les applications, nous avons ici la liste des applications. Alors si je prends l'exemple ici par exemple de HTOP, hop là, donc je vais le lancer, le HTOP qui se trouve ici. Donc ça c'est pour mesurer un peu la consommation de mémoire de l'ordinateur. Là on voit qu'on est à 2 Go de consommation mémoire environ. Et là ça c'est la version DEB. La version DEB c'est elle qui se trouve ici. Donc là vous avez des options dans ce... Là dans le HTOP version DEB vous avez des actions qui sont possibles ici. Et là, nous avons une autre version de HTOP, ça c'est la version Snap. Donc là, je lance la version Snap, et comme nous allons le constater, hein, entre les deux versions, nous n'avons pas la même consommation mémoire. Donc, sur la gauche, nous avons la version Snap, ici, hein, comme on peut le voir, hein, KTHR, et là, on est à 1,38 Go de consommation mémoire. Et là, ça c'est la version DEB, hein, et on est à 1,97, on a plus de consommation mémoire sur la version DEB. Donc attention hein, quand vous faites vos tests entre la version DEB et la version Snap. Et là, si je regarde la version Snap qui se trouve ici, là vous allez avoir des options supplémentaires hein, pour configurer ce logiciel. Donc si vous utilisez des Snap, hein, n'hésitez pas à aller dans le menu Applications pour voir si vous avez des options supplémentaires pour valider des choses et des options sur ce menu en version Snap. Hop. Ensuite, bon, pas de gros changements, hein. Énergie, hop, je vais avoir le menu performance, équilibré, économie d'énergie. Là, l'option a été rajoutée aussi pour afficher le pourcentage de la batterie, hein, c'est ce qui se trouve tout en haut ici. Hop, je peux désactiver le pourcentage de la batterie. Donc c'est une option intéressante qui a été rajoutée directement. Et dans les pavés et souris tactiles, là, il y a pas mal d'options aussi qui sont configurables, hein, c'est assez pratique à utiliser. Alors, pour l'instant, tout n'est pas été traduit. Hein. Si je vais par exemple par ici, avec éditeur de test ou calculatrice, si je fais un clic droit, je fais un pin to dash. Alors le dash, c'est ce que vous avez sur la gauche. Hein. Je peux le pinter sur le dash. Hop là, voilà, la calculatrice est arrivée là. Donc pour l'instant, tout n'est pas traduit. Hein. Il y a quelques options qui sont toujours en anglais. Alors ce qu'il faudra penser à faire, hein, c'est aller dans pays et langues. Et là, je fais gérer les langues installées. Nous allons qu'il va y avoir des options. Hop là, installer les langues installées, mais la plupart du logiciel est déjà en français. Vous n'aurez pas de soucis de ce côté-là. Là, je vais lancer la mise à jour des langues. Ils nous feront juste un tour rapidement en fin de vidéo pour voir s'il y a eu quelques menus qui ont été modifiés. Alors, dans ce que j'ai trouvé d'intéressant dans ce logiciel, ah oui, c'est la capture d'écran. Alors, la capture d'écran, si j'appuie sur la touche imprime écran qui se trouve sur le clavier de mon ordinateur, hop, je vais avoir des options qui sont intéressantes. Ici, je veux faire une sélection, je peux sélectionner directement l'écran complet ou les fenêtres différentes. Alors là, je peux choisir la fenêtre que je veux imprimer. Si je veux imprimer celle-ci, hop là, et puis je peux valider ici. Et voilà, j'ai fait la capture d'écran qui se trouve ici. Je vais la retrouver bien sûr dans le dossier images hein, et voilà la capture d'écran que j'ai réalisée. Donc c'est assez pratique à utiliser hein, ce nouveau menu d'imprimer écran. Alors je peux bien sûr le relancer. Alors je peux faire même des vidéos. Hein. Vous le voyez ici, j'ai un screencast mode vidéo. Là c'est pour la photo. Là je peux faire des sélections. Hein. Je peux faire la sélection qui m'intéresse et prendre la photo. Et hop, c'est enregistré automatiquement. Alors là, il a mis à jour les langues. Hop, nous allons voir rapidement si les langues ont été mises à jour. Là je vais aller... Donc, calculatrice par exemple, faire un clic droit, non, ça n'a toujours pas été traduit. Donc voilà pour les infos générales hein, sur les points positifs que j'ai trouvé. Alors les améliorations, bon c'est pour la Logitech, hein, nous n'avons pas de Flatpak. Il n'y a pas de Flatpak de préinstallé et c'est normal hein, puisque c'est une Ubuntu et qui va privilégier les snaps. Donc pour les snaps ça va se trouver ici, hein, c'est le Ubuntu Software. Alors ce que j'ai fait c'est j'ai installé les snaps avec des lignes de commande. Pour cela je vais aller sur internet. Alors je vous montre un petit peu internet, là nous allons calculer le temps de démarrage de Firefox.
Alors comme vous pouvez le voir ici dans les infos que j'ai mis, ici j'ai 9 snaps de préinstallés. Nous sommes sur le noyau Linux 5.15, hein, mais de toute façon, Ubuntu, que ce soit Xubuntu, l'Ubuntu, ce sera toujours le même noyau, hein, c'est le 5.15. Et nous sommes en version Wayland d'Office. Là, je suis repassé en mode X11 hein, pour pouvoir enregistrer la vidéo, car je n'avais pas le son. Alors, il y a eu des améliorations hein, en mode Wayland. Maintenant, avec VocalScreen, je peux enregistrer la vidéo, mais pour l'instant, je n'ai pas le son. Donc nous avons notre Snap, et le Snap ici, donc ici c'est Firefox, il est installé en version Snap. Alors je fais un démarrage et on va calculer le temps de démarrage de cette version Snap. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. En gros, hein, vous avez à peu près 6 secondes de démarrage. Et nous ferons le test avec une autre version de Ubuntu qui, elle, n'utilise pas du tout de Snap, mais que des Flatpak. Nous verrons le test tout à l'heure. Alors là, si je vais sur le site de Libre Quimperlé, hein, j'ai un tuto, un tutoriel qui se trouve ici. Et là, j'ai la liste pour pouvoir installer des Flatpak. Là, j'ai un tuto et j'ai installé donc le Flatpak pour pouvoir utiliser ma Ubuntu de façon plus facile. Et là, vous avez une option supplémentaire avec le logiciel qui se trouve ici. Et là, vous allez pouvoir taper le nom du logiciel qui vous intéresse. Hein, si je prends Kdenlive, par exemple, je valide avec la touche entrée et là nous avons donc plusieurs versions qui sont disponibles. La version qui se trouve ici, ben, c'est la version Snap. J'aurai bien sûr dans la liste la version dev, et si je reviens en arrière, là j'ai de disponible la version Flatpak. Là c'est la version dev que j'ai installée. Tous les tests ont été réalisés avec la version dev, c'est la version 21.12 je crois, et j'ai aussi de disponible les Flatpak directement avec cette option grâce au logiciel qui se trouve ici. Alors ici, ça ne sera que disponible, ça sera que les Flatpak. Et là, j'ai accès à mes Flatpak et à mes points deb, et même les snaps qui sont disponibles aussi. Donc, c'est un petit peu le point à améliorer au niveau de Ubuntu, hein, c'est que ici, nous n'avons pas de Flatpak. Petite option intéressante sur le bureau, hein, si vous tapez directement la phrase bilan par exemple, hein, il va me retrouver les dossiers qui sont sur mon bureau. Là, il me retrouve le dossier bilan. Et si je tape rapide, hein, ben il va me retrouver le logiciel avec l'application rapide. Là, il se trouve avec le logiciel qui se trouve ici. Donc, si vous aimez bien encombrer votre bureau, hein, vous allez pouvoir avoir un moteur de recherche. Il suffit simplement de taper ce que vous recherchez. Hein, il va l'afficher à l'écran. Si je tape 22, hein, hop là, il me affiche les menus ici qui sont en 22. Voilà pour l'option qui a été rajoutée ici sur le bureau. Alors, j'ai fait un petit peu le tour de cette version de Ubuntu 22.04 hein, que je vous conseille vivement d'installer dès qu'elle sera disponible. Mais attention, hein, ce n'est pas encore vraiment fiabilisé. Ce que je conseille généralement, c'est d'attendre la version 22.04.1 hein, qui sortira au mois de juin ou au mois de juillet, de façon à avoir quelque chose de bien épuré et de bien corrigé au niveau du logiciel. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé trop de bugs sur cette version. Allez, passons à la version suivante qui est la version Lubuntu. Je viens de démarrer Lubuntu et voyons tout de suite les performantes avec htop rapide. Hop, c'est parti. Alors Lubuntu, alors la version 20.04 n'avait pas été testée, j'avais des problèmes pour l'installation ou des problèmes avec le son. Donc là, nous avons la version 21.10 et nous avons la version 22.04. Donc pas de gros changements au niveau de la consommation mémoire, on reste à une consommation mémoire très réduite. C'est elle qui consomme le moins de mémoire à vide. Au niveau du rendu, c'est là que ça cloche un petit peu. Hein. Si on lance le rendu Kdenlive plus l'enregistrement de VocalScreen, hein, on se retrouve avec un temps de rendu à 10 minutes, hein, voire 8 minutes pour la 21.10. Hein. Donc là, ça pêche un petit peu hein, quand on met en multitâche la distribution. Pour le temps de démarrage, hein, c'est à peu près équivalent. On se retrouve avec 18-19 secondes, hein, suivant les tests qu'on aura réalisés. Alors, pour savoir les temps de démarrage, hein, comment j'ai fait, hein, je vais faire ouvrir un terminal et vous montrer les commandes qu'il est possible de lancer. Alors, c'est cette commande-là qu'il faudra lancer, System Analyzed Time. Je la mettrai dans le descriptif de la vidéo. Là, vous lancez la commande et vous avez le temps de démarrage de la distribution. Alors attention, hein, le grub est pris en compte. Hein. Si vous passez du temps sur le grub, vous allez augmenter le temps de démarrage ici. Alors, j'ai d'autres commandes que je peux vous montrer. Par exemple, ici, j'ai NeoFetch. Alors NeoFetch, c'est un logiciel qu'on peut installer, hein, qu'on retrouve après sur le système, hein, en mode console ici. Et nous allons quelques informations supplémentaires avec ce NeoFetch. Comme on peut le voir ici dans les packages, hein, vous avez 7 nappes. Vous avez 7 snaps qui sont préinstallés. Donc vous avez des snaps qui sont installés dans cette distribution aussi. Alors pour le DE Desktop Environnement que nous retrouvons ici, c'est du LXQT
version 0.17. Donc, comme nous sommes à la version 0, hein, c'est-à-dire que nous sommes dans une jeune version hein, pour la distribution pour l'environnement de bureau. Donc, il faudra attendre un petit peu pour les évolutions hein, majeures sur cette distribution. Pour l'instant, nous avons quelque chose de stable. Ce n'est pas ce que j'apprécie le plus hein, au niveau de l'installation ni de l'environnement de bureau. Hein. L'Ubuntu n'est pas ce que je préfère dans les distributions. Ensuite, dans les commandes que je peux lancer aussi, là, dans les commandes, j'ai NeoFetch, hop, SnapList. Alors, si vous voulez savoir la liste des snaps, hein, vous lancez cette commande SnapList et vous avez la liste des snaps qui sont préinstallés. Alors, comme on peut le voir, hein, là, j'ai Firefox qui est installé. Alors, on va faire la même commande, on va lancer Firefox et on va compter le temps de démarrage de Firefox. Alors, attention, 3, 2, 1, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, oui c'est un petit peu long hein, pour le démarrage de Firefox là. Donc c'est un petit souci avec ces snaps, je trouve que le temps de démarrage des logiciels est assez long quand même, hein. Ce n'est pas toujours évident. Donc au niveau du système, nous avons ici quelque chose d'assez léger, hein, qui est assez rapide au niveau du rendu de Canon Live, on a 4 minutes 55, on est mieux que Ubuntu, hein, si on peut le voir ici. Hein. Mais dès qu'on met un peu en charge le système, on se retrouve avec des temps de rendu vidéo qui sont beaucoup trop longs. Au niveau de la consommation mémoire, après, pour le système, hein, il va vous rendre la mémoire assez rapidement, hein, 2,5 Go. Hein, là, on se retrouve à 2,65 Go en mode performance. Là, on gagne un petit peu en mémoire. Hein. Quand au bout de 15 minutes, il a fini les rendus, il vous rend la mémoire hein, et vous vous retrouvez avec 2 Go de mémoire de disponible. Et comme on peut le voir, hein, la charge est assez élevée hein, puisqu'il n'arrive pas à faire le rendu assez rapidement. C'est pour ça que le chiffre ici est assez élevé. Maintenant que j'ai fait le test de charge ici du système, nous allons voir ensemble le bilan. Alors le bilan, ça va être celui-ci. J'ai fait un petit bilan rapide. Hein. Bon, bah, c'est un système qui est très léger. Hein. Alors ce que nous avons comme point positif hein, dans ce système, c'est Discover pour les mises à jour et pour les logiciels, bien sûr. Alors Discover, c'est le logiciel qui est ici, qui se trouve dans Outils Système Discover. Donc ce logiciel va vous permettre de mettre à jour votre distribution hein, avec l'option qui se trouve tout en bas ici. Hein. Recherche des mises à jour hein, qui se fait automatiquement bien sûr et les applications que vous allez rechercher sur le système hein, vous allez pouvoir les rechercher ici. Si je tape Canon Live, hop, je vais pouvoir rechercher avec Enter les logiciels qui sont disponibles. Alors là ce qui est intéressant hein, c'est qu'on le voit tout de suite avec le menu qui se trouve à droite hein, vous avez la version Snap qui est disponible. Là j'ai la version Canon Live en version Deb qui est disponible ici hein. Et si je veux installer des snaps, hein, il faudra sûrement que j'installe les snaps en supplément. Disponible, hein, je peux les activer ou pas. Hein. Et là, c'est tous les logiciels qui sont en version Jamie, donc en version Deb, qui seront disponibles avec la source. Mais je n'ai pas les Flaspacks dans la liste hein, pour l'instant. Alors, mettre à jour, là on voit qu'on a des mises à jour. Hein, vous pouvez tout mettre à jour hein, directement en cliquant ici. Et vous allez pouvoir mettre à jour votre système assez facilement hein, pour suivre un peu votre installation. Alors ça c'est Discover, hein, c'est un logiciel très pratique hein, qui est utilisé aussi sur la version Kubuntu. Alors dans les améliorations que j'ai pu noter, hein, donc Firefox c'est ce que j'ai noté, hein, mais a priori il y a deux versions de Firefox. Hein, il y a une version Deb et une version Snap, mais après pour faire la différence entre les deux ce n'est pas toujours évident. Alors si je vais dans Internet, hein, vous le voyez ici, hein, j'ai un navigateur web Firefox ici et j'ai un autre raccourci qui est disponible ici. A priori il doit y en avoir un en version Deb et un en version Snap, mais je ne peux pas vous le confirmer. Alors, les améliorations qu'il est possible de faire, bah, c'est au niveau des langues. Pour l'instant, je n'arrive pas à tout passer les menus en français. Comme vous pouvez le voir tout en haut ici, là, on est en anglais. Il faudra rajouter des menus pour pouvoir passer tout en français. Alors, si je tape langue ici, je vais avoir le menu peut-être qui va venir, mais ce n'est pas... Non, je n'ai pas de menu qui vient quand je tape langue directement. Alors le souci de cette distribution aussi, c'est le menu de configuration. Alors le menu de configuration, il va se trouver assez loin. Il faut aller dans Préférences, LXQT, Paramètres du système. Et là, Centre de configuration de LXQT. Donc ça fait un petit peu loin pour aller chercher le menu. Alors bien sûr, les raccourcis sont disponibles directement ici. Là, si je vais chercher directement dans Préférences, LXQT et Région, normalement, c'est là que je vais pouvoir configurer ma langue. Elle est bien en français. Mais comme vous le voyez, il y a beaucoup de menus qui sont restés en anglais. Pour l'instant, et là si je vais sur Firefox, alors quand on clique la deuxième fois sur Firefox, bien sûr il est beaucoup plus rapide. Et là les menus, ils sont en français quand même sur Firefox ici, comme c'est la version Snap a priori qui est installée.
Donc vous avez encore des options qui sont en anglais, hein. Ça c'est un petit peu le souci avec cette Ubuntu, il faudra passer des menus en français. Alors nous avons 7 snaps qui sont préinstallés sur cette distribution et bien sûr nous sommes avec le noyau 5.15 au niveau du système, hein, comme toutes les versions de Ubuntu. Voilà pour un petit tour rapide de cette Ubuntu car il n'y a pas beaucoup de changements sur cette distribution. Là vous allez retrouver la même chose que vous aviez avant, hein, si vous utilisiez déjà une Ubuntu, hein, il n'y aura pas de grosses évolutions sur ce système. Hein. C'est quelque chose qui n'évolue pas encore énormément hein, puisque nous sommes à une version 0.0.17 comme on peut le voir ici. Hein. Donc ce sont les premières versions hein, de LXQT, c'est encore un système qui est assez jeune. Hein. Donc pas de soucis, ça va s'améliorer, hein, mais il faut le temps pour que tout ceci se stabilise. Mais bon, c'est quelque chose qui fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Alors ici, vous avez un autre menu qu'il est possible de lancer. Hein. Au niveau des mises à jour, hein, c'est dans Préférences, ici, vous faites Apply Full Upgrade. Hop là! Donc là, vous lancez votre mot de passe, hein, et puis là, c'est pareil, il va lancer les mises à jour hein, en mode terminal, plus ou moins. Donc là, vous avez aussi les infos hein, de toutes les mises à jour qu'il va le faire. Hein. C'est la même chose qu'il fait avec le logiciel le Discover, hein, qui est plus en mode écran avec des affichages un peu plus sympas. Alors je vais arrêter la mise à jour, tac, comme ça on va pas avoir de soucis au niveau de l'enregistrement. Alors qu'est-ce que je pouvais dire au niveau de cette distribution? Bon, ça fonctionne très très bien, il n'y a pas de soucis, je n'ai pas trouvé de bug sur ce système. Vous avez bien sûr les préférences du bureau, hein, ça n'a pas évolué énormément, hein, il n'y a pas de gros changements sur cette distribution. Et là c'est pareil, hein, dans l'arrière-plan ici, dans les avancées, vous avez l'accueil qui est disponible, on peut décocher la corbeille, on peut décocher l'ordinateur, réseau, vous faites appliquer et tous les menus ici vont se mettre à jour. Hop là. Voilà ce que vous pouvez dire assez rapidement sur cette distribution Ubuntu 22.04 et que j'attends avec impatience hein, pour voir si elle tient ses promesses, mais pas de souci, hein. Cette distribution sera aussi efficace comme les autres. Passons maintenant à une autre version, c'est la distribution Xubuntu. Nous voilà maintenant sur la Xubuntu et nous allons faire un petit peu le tour ici de cette distribution. D'abord les performances. Alors j'ai réalisé les tests de la Xubuntu. Hein. Et comme on peut le voir, en consommation mémoire à vide, hein, on est assez équilibré, on est à 0,820 de consommation mémoire. Alors, c'est un petit peu plus hein, que la Ubuntu, bien sûr, hein, puisque la Xubuntu consomme un petit peu plus de mémoire, hein, on est toujours un petit peu au-dessus d'une Ubuntu. Niveau du rendu vidéo, hein, on peut le voir, hein, 4 minutes 52, hein, c'est une bonne performance, hein, on reste à peu près équivalent à hein, 4,50, 4,48, il n'y a pas eu de grosse évolution au niveau du rendu de Canon Live. Et là, on peut les voir, hein, Ubuntu, la version classique, là, on est à 4,58, on est au-dessus. Hein. Donc, elle est assez rapide, hein, c'est, pour moi, c'est un compromis dans cette distribution, c'est assez léger et c'est assez fonctionnel. Alors, si on met un peu en charge la distribution, hein, comme on peut le voir avec Canon Live et VocoScream, on reste dans des temps de montage assez restreints quand même, hein, 5,37, bon, là, on est beaucoup plus rapide avec Ubuntu. Hein. Ubuntu consomme peut-être plus de mémoire, mais elle est beaucoup plus rapide, on voit, pour le rendu vidéo, hein, lorsqu'on met en charge le système. Et en consommation mémoire, on libère assez vite la mémoire, on est à 2,10 Go, hein, on voit qu'on libère beaucoup plus de mémoire au bout de 15 minutes ici. Hein, si on compare avec une Ubuntu en mode performance, on a un peu moins de mémoire de disponible. Alors les temps de démarrage, c'est à peu près équivalent. Toutes les distributions, on est à peu près dans les 19-18 secondes de temps de démarrage. Donc elle est assez efficace hein, cette distribution. Alors bien sûr, on est toujours en version bêta. Hein. De temps en temps, il y a des petits bugs, hein, donc ne pas vous affoler. Ne vous précipitez pas dessus cette distribution, hein. Il faut attendre un petit peu les corrections de bugs. Alors nous allons faire un petit peu le bilan de cette distribution. Et là, qu'est-ce que j'ai retrouvé sur cette distribution? Bon, bah, c'est assez léger, mais bien sûr, il n'y a pas de grand changement. Pas de grand changement, hein, car comme on peut le voir ici dans les infos, le bureau qui est toujours du XFCE est en version 4.16, il n'y a pas eu de grosses évolutions, on est toujours sur du 4.16, il n'y a pas de grande révolution sur le bureau de Xubuntu. Alors dans les améliorations, alors sur mon ordinateur, c'est le petit souci que j'ai, c'est le mot de passe du clavier. C'est-à-dire que quand je tape mon mot de passe au démarrage de l'ordinateur, si je tape un mot de passe avec des lettres et des chiffres, c'est un petit peu plus compliqué à valider parce qu'il va falloir que je déverrouille le clavier. Car je n'ai pas de touche numérique et là c'est un petit peu plus compliqué. Et là c'est le même problème que j'avais sur la version aussi hein, de la
21.10 hein, et de la 20.04, hein, c'est toujours le même souci, hein, il faut que je déverrouille mon clavier pour pouvoir taper mon mot de passe. C'est le seul souci que je trouve un peu sur cette distribution au démarrage, mais c'est particulier puisque ce n'est que sur mon ordinateur. Au niveau des snaps, on a de 9 snaps d'installés sur cette distribution. Et donc, ce que nous allons constater tout de suite, hein, c'est faire le démarrage de du logiciel qui est Internet avec Firefox. Alors là, on le voit aussi, on a deux Firefox de disponibles. Donc je vais cliquer sur le premier qui se trouve tout en haut ici. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 donc. Alors nous ne parlons pas à récupérer vos pages, mais c'est pas grave, on va restaurer la session, ça c'est pas bien grave. Donc le temps de démarrage est un petit peu long quand même sur cette distribution. Hop là. Sinon pour le htop, là c'est pareil, on a un htop 2 disponible pour regarder un peu la consommation mémoire. Si je fais CTRL-ALT-T, je vais ouvrir mon terminal et là aussi je vais pouvoir lancer un snaplist par exemple. Donc là je vais retrouver la même chose, j'aurai la liste des snaps qui sont disponibles. Et je peux lancer aussi un NeoFetch. NeoFetch va me permettre de voir un petit peu la distribution, qu'est-ce que j'ai d'installer. Donc là, il me met 8 snaps. Hein, j'ai un snap en moins par rapport à ce que j'avais mis sur mon écran. Et là, c'est bien du XFCE en version 4.16 hein, qui est installé sur cette distribution. Alors, on est sur du X11. On n'est pas sur du Wayland ici. Autrement, il n'y a pas de gros changements hein, sur cette distribution. Vous allez retrouver vos habitudes hein, puisque la version du bureau n'a pas tellement évolué. LibreOffice Writer, là vous avez la Logitech hein, qui est disponible aussi, la Logitech, donc là c'est pareil, hein, vous n'aurez que des snaps disponibles dans cette Logitech. Je vais taper Kdenlive pour voir un petit peu ce qu'il me propose. Voilà, donc là ce que j'ai installé c'est la version Deb bien sûr hein, qui est disponible ici, donc j'ai que la version Deb 2 disponible ou bien sûr la version Snap, ça c'est la version Snap qui sera disponible ici, hein. Donc pas de Flatpak non plus dans cette distribution. Ensuite, pas de gros changements hein, sur cette distribution. Vous allez retrouver la même chose que sur la 2204. Hein. Bon, bien sûr, vous aurez un système de noyau beaucoup plus récent, hein, ce qui va vous permettre d'installer d'avoir des drivers beaucoup plus récents sur cette distribution et faire fonctionner des imprimantes ou des pilotes graphiques ou des pilotes de cartes son ou de cartes Wi-Fi qui seront plus récents, hein, puisque c'est un nouveau noyau qui est installé sur cette version Linux. C'est ça tout l'intérêt de faire évoluer votre distribution pour avoir des nouveaux pilotes qui sont beaucoup plus récents. Alors maintenant nous allons passer à la prochaine distribution, c'est la distribution Ubuntu Mate. C'est parti. Ubuntu Mate, alors un joli fond d'écran ici qui est présent et nous sommes sur une fond d'écran plutôt vert. Alors les performances tout de suite, les tests ont été réalisés de la Ubuntu Mate. Donc on est à peu près avec une consommation mémoire à vie de 0,88, hein, 0,70. On est dans les équivalents de ce que l'on avait avant. Alors, c'est à peu près l'équivalent de Xubuntu, hein, une légère augmentation de consommation mémoire sur la Ubuntu Mate, mais vous ne verrez pas la différence. Alors, pour le rendu de la vidéo, hein, c'est 4 minutes 55, c'est assez élevé, hein, puisque c'est elle qui est dans les temps de rendu qui est un peu plus long. Sinon, pour le rendu avec la charge de VocoScream, on est à 5,45, la Ubuntu Mate 5,41, bon, pas de grosse révolution. Dans le rendu, on reste un petit peu à la traîne hein, par rapport aux autres distributions. Alors, on voit que la charge hein, est assez élevée, hein, 4,60, hein, c'est ce que l'on voit ici, hein, 4,57, la charge est un petit peu moins élevée, c'est pour ça qu'il arrive à faire un rendu un petit peu plus rapidement. Le temps de démarrage, on est toujours pareil, hein, 18 secondes à peu près, et on libère de la mémoire à 2,15 Go une fois que tout est terminé. Alors bien sûr, tous les logiciels ne sont pas fermés, hein. C'est juste quand il a fini son montage vidéo, je laisse tout en plan et j'attends une minute pour voir un petit peu la consommation mémoire, pour voir s'il libère un maximum de mémoire hein, pour pouvoir utiliser l'ordinateur plus facilement. Alors ça c'est pour le test de performance et nous allons voir un petit peu le bilan que j'ai réalisé, hein. C'est un bilan un petit peu rapide hein, pour faire le tour de cette distribution. Et la Ubuntu Mate, nous avons une grosse évolution, hein. C'est le Mate Tweak qui est assez génial. Alors le Mate Tweak c'est quoi? C'est dans les préférences que vous allez retrouver ce petit menu hein, qui sera disponible. Alors ici, Mate Tweak, hop là, c'est comme GNOME Tweak, hein,
mais en version améliorée ici pour le Matitweak. Alors vous avez le bureau, hein, vous pouvez faire afficher les icônes de bureau, hein, c'est pour configurer un petit peu votre fond d'écran qui se trouve ici. On peut supprimer les icônes de bureau, hein, si vous voulez avoir quelque chose de vierge, hein, pour l'ordinateur, on peut faire les raccourcis qu'on veut ici. Ça c'est la configuration classique, et vous avez les tableaux de bord. Alors ça c'est assez sympa, hein, ce menu que vous pouvez configurer ici, c'est pour avoir un tableau de bord un petit peu différent. Alors le menu ici, c'est le menu classique que nous avons ici de Ubuntu Mate, c'est le familial. Alors des fois il y a des petits soucis, hein, sur ce menu, pour l'instant je l'ai un peu testé, hein, mais il faudra faire attention. Là je vais le mettre en Cupertino, hop là. Alors c'est parti, changing your complete replace de current configuration, là je fais valider, hop, et voilà. Voilà, vous vous retrouvez avec un menu Cupertino, hein, vous voyez, c'est assez sympa, c'est assez rapide à réaliser. Et là vous avez un nouveau menu, hein, de Ubuntu Matitweak, hein, qui va se retrouver comme ceci maintenant, quand vous êtes sur Cupertino. Alors le petit souci que j'avais trouvé avec cette distribution, c'est pour revenir en arrière, c'était pas toujours évident. Je vais revenir sur Familiar, hop. Je valide, bon, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, hein, mais vous avez vu un petit peu que c'est assez pratique à réaliser. Et là, je suis revenu sur le menu classique. Donc là, ça a bien fonctionné. Mais attention, hein, c'est un petit peu litigieux ce menu, mais pas de souci. Hein, vous redémarrez l'ordinateur et vous allez retrouver votre configuration sans trop de problèmes. Donc ça, c'est le Matitweak, hein, c'est un nouveau menu qui est apparu et qui est assez sympa. Alors, dans les améliorations, htop, pas de raccourci. Ah oui, donc là, j'ai toujours le même souci, hein, sur cette distribution. Si j'installe le logiciel htop, déjà, je ne le trouve pas dans la Logitech. Il faut que je l'installe en manuel, hein, mais même installé en manuel, hein, vous voyez, je ne retrouve pas le menu de htop. Je ne peux pas retrouver le menu htop dans les raccourcis ici. Il ne me le propose pas. Alors, pour lancer htop, hein, ben, il faut que j'ouvre un terminal et puis je lance la commande htop directement ici dans le terminal. Et là, je peux lancer le logiciel htop. Et là, je suis en mode de deb, bien sûr, puisque je fais une installation en mode de deb. Alors là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le htop System Analyzed Time. Hop, donc là, on est sur un démarrage à 26 secondes, mais parce qu'il n'est pas directement dans le raccourci disponible, il faut que j'évolue un petit peu dans mon groupe pour pouvoir sélectionner cette version. Et nous verrons tout à l'heure avec un menu assez rapide, c'est la Ubuntu Budgie qui, elle, est installée maintenant par défaut. C'est elle qui a pris la main dans le groupe, donc j'ai juste à faire Enter, et là, nous verrons le démarrage de la Ubuntu Budgie pour le système Analyzed. Alors là, j'ai fait un petit test aussi de NeoFetch, un petit peu pour voir ce que nous avons de présent ici. NeoFetch, c'est ici. Hop là, donc nous avons 12 snaps d'installer sur cette version. Et nous avons une version de desktop environnement ici qui est la 1.26. Alors cette Ubuntu Mate est assez sympathique, hein. Il y aura des évolutions, hein, sur cette version. Hein. Pour moi, c'est quelque chose qui va beaucoup évoluer. Hein. La Ubuntu Mate, elle va nous faire quelque chose d'assez sympathique. Alors, ce que l'on peut constater, hein, c'est que ici vous avez les préférences et vous avez les apparences, les menus. Bon, c'est assez classique ici au niveau des menus. Alors, le menu que nous avons vu tout à l'heure, hein, c'était Planck, hein, le menu que nous avons trouvé tout à l'heure avec le Cupertino, c'est du Planck, hein, qui est un petit peu installé sur ce système. Alors ici, si je viens dans le menu, ici j'ai le menu de bienvenue, hein, qui se trouve ici. Alors le petit souci aussi que je trouve sur cette distribution, c'est au niveau de la Logitech. La Logitech est divisée en deux parties, hein. Donc vous avez une partie, la boutique des logiciels, ça c'est la Logitech de Ubuntu Mate. Donc Ubuntu Mate a sa propre Logitech, et si vous voulez installer des logiciels qui ne sont pas disponibles dans cette Logitech, hein, ça sera à vous d'installer une autre Logitech, hein, c'est ça qu'il va vous proposer, hein, il va vous proposer automatiquement, hein, d'installer une autre Logitech si le logiciel que vous cherchez n'est pas disponible. Alors c'est un petit peu laborieux, hein, la recherche dans ce menu, hein, il faut faire rechercher ici, là il va falloir cliquer ici aussi pour faire rechercher, là je vais faire Kden Live, et nous allons voir s'il est disponible, oui il est disponible ici, hein. Alors là, nous avons Kden Live qui est disponible. Donc, il est en version .deb. Là, si je vais dans les détails, c'est kdenlive.org qui est dans les dépôts Ubuntu. C'est la version .deb qui est disponible ici. Donc ça, c'est une Logitech, hein, que vous avez de disponible. C'est la Logitech de Ubuntu Mate. Mais nous avons d'autres Logitech de disponibles sur cette distribution. C'est la bibliothèque logicielle, hein, c'est la même que nous avons autrement. Hein. Donc c'est lui qui va l'installer automatiquement. Quand vous cherchez un logiciel que vous ne trouvez pas dans la liste, il vous propose d'installer logiciel. Et là, c'est la même chose, hein, que pour Ubuntu. Hein. Vous aurez des logiciels de disponibles dans cette version de catalogue. Alors là, je vais faire la même recherche, hein, Kden Live, et nous allons voir ce qu'il va nous proposer. Et voilà, donc là j'ai de disponible bien sûr la version deb est disponible,
Alors, est-ce que j'ai les Flatpak là-dedans? Je ne pense pas, puisqu'ici ce sont les versions Snap qui sont disponibles. Donc, pas de Flatpak avec cette distribution Ubuntu Mate. Mais bon, c'est comme pour Ubuntu, hein, vous installez le paquet qui va bien et vous n'aurez pas de soucis avec ces logiciels. Et le menu de bienvenue dans Administration, vous allez avoir un petit menu qui est assez sympathique à utiliser quand vous faites vos débuts sur Ubuntu Mate. Là, vous avez toutes les fonctions qui sont disponibles pour faire l'introduction, les fonctionnalités, démarrer. Et là, il va vous proposer tout ce qu'il faut installer sur votre système pour bien démarrer avec votre distribution. Vous pouvez choisir ici la distribution. Vous pouvez choisir par exemple ici la disposition du bureau, vous avez directement un accès à un menu, comme vous le voyez, familière, donc c'est celui qu'on utilise, là, les Mutiny, le Redmond, le Cupertino, montrer davantage. Hop, vous avez d'autres versions qui sont disponibles, je pense que le Cupertino était assez sympathique. Et vous avez aussi le Panthéon ici qui est disponible. Donc là, vous pouvez configurer assez facilement votre ordinateur dès le départ avec les menus qui sont proposés ici dans le menu de Bienvenue d'Ubuntu Mate. Ici, nous avons les bureaux qui sont disponibles. Vous allez pouvoir utiliser plusieurs bureaux directement qui sont préinstallés dans cette distribution. On reste sur quelque chose de classique, avec un menu démarrer autrement. Le centre de contrôle est assez accessible, comme vous le voyez ici. Je fais menu, hop, centre de contrôle. Et là, on va directement pouvoir configurer l'ordinateur. On a tous les menus qui sont disponibles ici. Ça c'est bien foutu, cette distribution. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Il n'y a pas de souci avec ce système. La souris, on peut la configurer. Le pavé tactile, c'est ici que vous allez pouvoir aussi configurer votre pavé tactile. Tous les menus sont disponibles assez facilement. Et le Mate Tweak, la Mate Tweak assez sympathique. Les fenêtres aussi qui sont possibles de configurer. Je vous laisserai un peu faire le tour de cette distribution si vous voulez la tester. Mais pour moi, c'est quelque chose d'assez fiable et d'assez pratique à utiliser. Alors, nous allons passer maintenant à la distribution Ubuntu Budgie et pour cela, nous allons lancer aussi le logiciel qui va faire le démarrage parce que là, c'est elle qui va démarrer automatiquement. Donc, nous aurons quelque chose d'assez fiable. Alors, je n'ai pas lancé le logiciel Firefox. Nous allons le lancer tout de suite et nous allons calculer. Top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... C'est un petit peu long quand même. Là, après 11 secondes, j'arrête de compter, puisque là, vraiment, c'est un petit peu long à démarrer. Alors, est-ce que j'ai plusieurs de Firefox 2 disponibles? Alors, on va aller dans Internet. Internet, ici, j'ai que un seul navigateur Firefox. Donc, celui-là, il est en Snap. Si je fais CTRL-ALT-T, je vais aller dans les Snap List qui doit être disponible. Je vais le taper. Snap List. Donc, nous avons pas mal de Snap d'installer. Et nous avons donc... Firefox est disponible ici en version Snap. Donc, pas de souci, c'est du Snap là aussi. Allez, c'est parti pour Ubuntu Budgie. Nous voilà maintenant devant la Budgie. Alors, tout de suite, nous lançons le htop rapide pour un petit peu les performances de la distribution. Et comme on peut le voir, la consommation mémoire à vide est un petit peu plus élevée. On est plutôt aux alentours de 1 giga. Donc, c'est à peu près l'équivalent de ce qu'on avait avant, 0,92, 93 plutôt, 90. Donc pas de gros changements ni de grosses évolutions sur cette Budgie. Là, en rendu vidéo, nous sommes à 4,56, c'est assez long aussi, puisque nous nous retrouvons avec le même rendu vidéo que la Mate ici. Et autrement, donc là, on a quelque chose de plus rapide, 4,58, ben là, on voit 4,58 pour l'Ubuntu, oui, c'est assez long aussi. Donc 5,27, autrement pour le rendu avec le test en charge, 5,27, donc c'est un rendu assez rapide, puisqu'on le voit, 5,29 ici, 5,37... On est plutôt dans les 5,27. Alors, la consommation de mémoire rendue après 15 minutes, on est à 2,15 Go. Donc, on restaure un petit peu la mémoire. On se retrouve avec quelque chose d'assez léger ensuite, une fois que tout est terminé. Le démarrage est à 17 secondes. Alors là, c'était un démarrage rapide. Puisque là, dans le GRUM, c'est celle-là qui est en prioritaire pour l'instant. Donc, si j'ouvre un terminal et je regarde le test qui est réalisé de System Analyzed Time, là, normalement, il doit me donner à peu près... Hop, le temps de démarrage. Oh, il met 46 secondes là non, c'est pas du tout ce qui est réalisé. Ce n'est pas 46 secondes qu'il a mis à démarrer.
Donc le temps de démarrage, hein, c'est ce que je trouve généralement quand je fais le test, hein, c'est 17 secondes, 18, 19, c'est à peu près le test. Hein. Donc, de temps en temps, ça peut mettre un peu plus de temps s'il y a des mises à jour, hein, qui se font au démarrage de l'ordinateur, mais sur une démarrage classique, hein, vous serez à peu près dans les 17-20 secondes pour le démarrage. Alors, le test et le bilan de cette distribution. Alors, la Bungie, bon, c'est une très bonne Logitech. Nous avons une très bonne Logitech sur cette Bungie. Donc, vous allez la retrouver ici. Bienvenue dans Bungie. Et là, vous avez logiciel. Ça, c'est la Logitech. Donc là, si je tape directement Kdenlive, nous allons nous retrouver avec plusieurs distributions qui sont disponibles de versions. Alors, nous avons ici, bien sûr, la version Snap, hein, qui est disponible, la version Flatpak qui est directement disponible, et la version Deb. Comme vous le voyez, hein, c'est assez complet au niveau de cette Logitech. C'est celle que je trouve la plus pratique, hein, puisque directement à l'installation de votre système, hein, vous aurez directement accès à vos points Deb, à vos points Snap, et au Flatpak directement dans la Logitech qui est préinstallée ici d'office. Donc c'est assez sympathique. Donc une très bonne Logitech. Un bureau qui est sympa, hein, donc vous avez quelque chose d'assez sympathique, hein, au niveau du bureau. Vous avez différents menus ici que vous pouvez activer. Hein. Hop là, vous pouvez être avec des gros icônes, hein, qui sont affichées ici, ou en mode liste comme ici. Hein. Vous avez la bureautique, les graphiques, Internet. Donc pour Internet, nous avons plusieurs navigateurs Firefox de disponibles dans cette Bungie. Et nous avons... des flatpacks, nous avons que des flatpacks a priori sur cette distribution. Nous avons 5 flatpacks ici. Nous sommes sur, bien sûr, sur le même noyau Linux, hein, 5.15, et la version de l'environnement desktop de bureau, c'est la Bungie 10.6. Si j'ouvre un terminal et que je lance NeoFetch, alors CTRL-ALT-T, NeoFetch, c'est parti. Et là, donc, comme on peut le voir, hein, desktop environnement ici, c'est la 10.6. Donc nous avons quelque chose de stable, hein, qui est assez évolué puisque c'est la 10e version que nous avons ici. Alors j'ai noté le thème, hein, parce que c'est ici nous avons le thème Possilio. Donc il faut noter un petit peu le thème que vous avez au départ, hein, parce que si vous changez un petit peu le thème de votre bureau et qu'il ne vous plaît pas, si vous voulez revenir au thème d'origine, hein, c'est celui-là, il se nomme Possilio. Ensuite, donc, nous allons faire un snap list pour voir un petit peu si nous avons des snaps qui sont installés. Alors, il n'est pas disponible ici. Je vais donc taper snap list, tout simplement. Et là, nous allons regarder qu'est-ce que nous avons de disponible en version snap. Hop. Alors, le core, le Firefox, hein, nous avons quand même du Firefox ici qui est disponible en version snap. Donc, c'est pour ça que... nous allons l'air d'avoir du snap quand même sur cette distribution. Du GNOME, donc ça c'est l'interface graphique, puisque nous sommes sur du GNOME. Hein, au niveau de l'interface graphique, c'est basé sur du GNOME. Si je viens ici un petit peu, alors là c'est pour éteint. Nous allons aller dans les paramètres qui sont disponibles, paramètres de l'alimentation. Là nous avons un accès directement dans les documents qui sont disponibles ici. Et là, hop, nous avons un menu. Ici, c'est pour aller voir tous les logiciels qui sont ouverts, hein, qui sont accessibles ici. Donc si je veux passer sur ma version de Ubuntu, mon bilan, le bilan se trouve ici. Hein. C'est ici que vous allez pouvoir passer d'un menu à l'autre sur votre version. Hop, et là, nous sommes sur la version. Donc nous avons bien du Snap d'installer. Par contre, ici, il ne me met pas, il me met que j'ai des dépackagés, des flatpacks. Mais il ne me met pas que j'ai des snaps d'installer ici, hein, quoique des flatpacks. Alors nous allons bien sûr lancer le test de Firefox. Alors ce que je ferai, c'est que je vais lancer le dernier qui se trouve ici, qui je pense est en Flatpak, mais là je ne peux pas vous le garantir. Alors attention, c'est parti, 1, 2, 3, top. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... oh, 15 secondes. Bon, c'est peut-être le premier démarrage, hein, puisque je ne les ai pas lancés sur les autres versions avant. Hein. Mais là, on est plutôt sur un truc de 15 secondes. Alors, si je lance un autre Firefox qui se trouve ici, là, là, ce n'est pas le même Firefox, hein, puisqu'on voit que on n'a pas la même interface ici qui se présente. Hein, donc, c'est pas le même Firefox qui est lancé ici. Et celui-ci, nous avons un autre Firefox qui est lancé ici. 1, 2. Et là, on a un autre Firefox de lancer. Ça, c'est encore un autre qui est lancé. Alors, si je vais dans les menus ici, donc je vais avoir, vous voyez, vous avez deux Firefox ici qui sont lancés, ce n'est pas les mêmes. Donc, à voir à l'utilisation, là, il faudra faire des tests plus approfondis pour voir un petit peu comment utiliser tous ces Firefox qui sont disponibles. Alors, pour la Bungie, nous sommes en environnement de bureau X11, hein, nous ne sommes pas en Wayland.
Donc ça, c'est pour la petite précision. Alors, le bureau est sympa, la configuration est facile, hein, donc ça c'est assez sympa, cette distribution. Alors si nous avons les outils système, par exemple, et nous avons par exemple accès au Budget Control Center. Alors il y a plusieurs accès, hein, pour configurer votre système. Donc ça, c'est la version GNOME, hein, c'est du classique, hein, ce que vous avez ici. Vous avez bien sûr les arrière-plans que vous allez pouvoir configurer, les notifications et bien sûr les multitâches. Hein, c'est la même chose qui a été rajoutée sur Ubuntu version GNOME. Donc vous allez retrouver un petit peu la même chose. Hein. Les confidentialités, donc là c'est pareil, les services de localisation, historique des corbeilles. Et dans les énergies, vous allez pouvoir configurer aussi pareil, hein, performance équilibrée ou économie d'énergie et faire tous les réglages, pourcentage de la batterie. Nous retrouvons un petit peu la même chose. Hein. C'est du GNOME au niveau de l'interface graphique que nous avons ici, hein, pour configurer l'ordinateur. Alors pays et langue, bien sûr, là vous allez pouvoir aussi configurer. Alors là, je trouve un petit souci, hein, c'est que langue anglais États-Unis ici. Donc si je la passe en français, alors je fais sélectionner, ça passe pas vraiment en français. Alors si je passe ici le format, ici je le passe en français, par contre ça va fonctionner. Là le France y passe, mais si je repasse ici en français, là, ça va repasser en bas en anglais, je crois. Hop, voyez, anglais États-Unis. Donc il y a encore des petits bugs, hein, un petit peu à résoudre sur cette distribution. Ensuite, dans les menus qui sont disponibles, vous avez les Extra Budget. Donc ça, c'est un autre menu où vous allez avoir des options supplémentaires pour configurer votre ordinateur. Alors là, c'est les Desktop Settings. Vous avez plein de choses disponibles pour configurer votre ordinateur, pour les fonds d'écran, pour le bureau, pour ajouter des aspects. Budget Desktop Settings, alors ça, c'est pour le bureau. Donc là, vous avez encore un menu pour le bureau, pour le police, Raven. Raven, c'est le menu qui se trouve sur la droite ici. Le Raven, ça c'est le menu que vous avez ici. Le panneau supérieur, vous avez des choses qui sont configurables ici. Démarrage automatique, là vous allez pouvoir rajouter des logiciels pour faire le démarrage. Donc Planck, hein, vous voyez, hein, le menu qui se trouve ici, hein, c'est du Planck, hein, généralement. C'est ce qu'on trouve sur la plupart des distributions et assez pratique à utiliser, hein, et à configurer puisque c'est vraiment très simple. Si je lance un logiciel, par exemple je veux lancer un jeu, le Mahjong ici, hein, une fois le jeu lancé, hein, il va se retrouver ici, hein, donc Mahjong, bon, il suffit de le déplacer, ou alors à la limite de faire un clic droit et puis épingler au dock, hein, tout simplement. Donc là on est bien en français, on a un dock ici qui est disponible. Donc ça c'est facile d'utilisation, là c'est mon htop qui est disponible ici, que j'ai mis en raccourci, vous voyez ici ça fonctionne, hein, je peux mettre le raccourci d'htop alors que sur Maté c'est impossible, hein, pas de menu de raccourci de htop. Donc vous avez plusieurs menus de configuration, hein, sur le système, il faudra faire attention, hein, puisque c'est assez configurable. Alors pour le bureau ici, bah, vous avez des accès qui sont assez pratiques. Alors c'est le clic droit de la souris, hein, qui ne fonctionne pas avec mon pavé tactile ici, hein. Donc je suis obligé de prendre une souris pour faire fonctionner le clic droit sur l'ordinateur, hein, puisque avec mon pavé tactile ici, le clic droit ne fonctionne pas, hein, j'ai beau cliquer. Alors c'est une petite panne qu'on ne se rend pas compte tout de suite. Alors une personne m'avait dit qu'il suffisait d'appuyer sur la touche du clavier qui se trouve à droite, pas loin de touche de direction, hein. Il y a une petite touche qu'on peut appuyer et qui permet de faire un clic droit qui est entre Alt, GR et puis CTRL. Et là il y a une touche, hein, qui permet de faire un clic droit si le clic de la souris ne fonctionne pas ou vous avez un souci. La touche du clavier à droite entre Alt, GR et CTRL fonctionne aussi. Alors voilà pour les petites infos sur cette distribution, hein, qui ma foi est fort sympathique. Alors nous avons un thème de fond noir ici, hein, mais elle est assez configurable, hein. Donc là vous avez le bienvenu de Budget, là c'est les menus qui sont préconfigurés ici, hein. Donc si je reviens dans Budget ici, le menu de bienvenue, hein, qui vous sera proposé, hein, qui pour l'instant est en anglais, hein. Alors là c'est pareil, hein, on peut avoir le menu qui se met tout en plein écran, ou ici par exemple tout en plein écran. Donc introduction, donc vous allez avoir des infos sur toute la distribution ici. Alors je vois que pour l'instant tout est en anglais. Alors ce qu'il faut faire, c'est taper langue, hein, déjà dans le menu qui se trouve ici, et vous allez avoir pays et langue. Alors là on peut faire pays et langue, et puis ben là c'est le problème qu'on se retrouve ici, c'est que je n'arrive pas à sélectionner français. Donc là on l'a vu, hein, il y a un petit souci de ce côté là mais c'est normal, hein, c'est une version encore en version bêta. Donc là, vous avez d'autres options, à Get Starting pour bien démarrer, et puis vous avez tout ce qui est disponible ici, hein, Familiary, le browser. Vous allez pouvoir choisir votre navigateur internet, ben là on peut le voir, hein, c'est le Snap, la version Snap qui est disponible ici. Hop, là je vois pas d'autres options de disponibles, on peut installer un ESR en version Firefox aussi.
Donc là, il y a un menu qui a été sympathique pour configurer votre distribution assez facilement ici, qui pour l'instant, alors vous pouvez installer le software updater, les suppléments restreints aussi, vous pouvez les installer. Bon, ils sont déjà préinstallés d'origine puisque je n'ai pas fait de modification encore sur cette distribution. Langage in-out, ben, on va voir un petit peu si on a d'autres menus. Langage support, donc on peut installer d'autres langues disponibles pour le chinois, le japonais, le coréen. Langage support aussi, ben là on arrive au même menu qu'on avait tout à l'heure. Donc pas de souci, c'est la même chose. Et on a les spécifications du système, donc on peut le voir ici, on est en mode UEFI. Toutes mes installations sont faites en mode UEFI, bien sûr. Alors j'ai aussi le logiciel disque qui est préinstallé. Alors si on fait le tour un petit peu du logiciel disque, donc toutes mes versions de logiciels que j'ai installées, ici c'est la Ubuntu, la version de base de la 22.04. Ensuite bien sûr j'ai mis la Lubuntu, la Xubuntu, la Ubuntu Mate, la Ubuntu Budgie qui se trouve ici, qui est déjà installée. Et on peut le voir, elle est active ici. Elle utilise bien sûr le partition UEFI qui se trouve ici. Et là, nous allons passer maintenant à la Kubuntu qui est sur la partition numéro 8. Alors, la Kubuntu est en dernier parce que c'est celle que je n'ai pas réussi à installer dès le départ. J'avais beau télécharger des images ISO de la Kubuntu, impossible de l'installer. Toutes les autres distributions s'est passé comme une lettre à la poste, j'ai pu l'installer assez facilement, mais la Kubuntu nous a donné du fil à retordre. Je n'ai pas réussi à l'installer, je n'ai pu l'installer que à partir du 31. Là, la version a fonctionné, j'ai pu l'installer, mais autrement, impossible de l'installer. J'avais des erreurs système, impossible de la mettre en service. Donc, c'est pour ça qu'elle est en dernier dans les tests. Et nous allons maintenant la tester pour voir un petit peu son potentiel. J'ai refait un démarrage assez rapide de la Ubuntu Budgie et j'ai lancé le système Analyzed Time. Et là, comme on peut le voir, je suis à 17 secondes au niveau du démarrage. Donc, il ne faut pas perdre de temps au niveau du GRUB et puis aussi au niveau du mot de passe, sinon ça rentre dans les temps de démarrage. Et pour finir, la Kubuntu, tout de suite le test de performance de cette Kubuntu. Alors, en consommation mémoire, c'est l'équivalent, la 22.04, on est à 0.87, c'est à peu près ce que l'on avait avant à 10 mégaoctets de consommation mémoire. Donc c'est à peu près l'équivalent d'une Xubuntu, mine de rien, c'est pas si excessif que ça, la Kubuntu est assez performante. Alors pour le rendu de Kdenlive, sachant que KDE c'est du Kdenlive, on n'est pas non plus dans un rendu extraordinaire puisqu'on est à 4,59, c'est elle qui a la lanterne rouge en fin de compte, il faudrait que je mette à jour un petit peu mes pictogrammes. Et pour le rendu avec un mode de charge sur la Kubuntu, on est à 5,34, donc ça va puisque on est sur quelque chose, 5,27, 5,34 pour la Xubuntu ici, 5,37, oui c'est assez raisonnable pour cette Kubuntu en mode charge. Donc la mémoire est assez libérée assez facilement aussi puisqu'on a 2,11 Go de consommation mémoire qui est libérée assez rapidement par rapport à d'autres versions comme la Ubuntu Mate, on a 2,15, on a un petit peu plus de consommation mémoire. Bon, ça évolue un petit peu mais ce n'est pas extraordinaire. Alors on est toujours avec une Ubuntu qui consomme un petit peu plus de mémoire, on est à 2,65 au niveau consommation mémoire, donc la Ubuntu est un petit peu plus légère en fonctionnement. Démarrage c'est toujours à peu près pareil, 18 secondes, c'est un démarrage assez rapide. Alors le bilan de cette Ubuntu, alors le bilan est assez rapide puisque cette Ubuntu n'a pas évolué énormément, c'est plutôt de la stabilité qui est privilégié sur cette distribution. Alors bien sûr c'est Discover, Discover qui est disponible dans cette distribution, c'est Kubuntu qui met en avant ce logiciel, un système ici c'est Discover, donc là ça concerne tout ce qui est mise à jour comme nous avons vu pour la Lubuntu, pour les installs, les recherches de mise à jour, la configuration, donc c'est ici que vous allez retrouver toutes les informations. Là si je vais dans KDE, Kdenlive, j'aurai de disponible la version KDE. Chargement en cours, donc là il fait une mise à jour au niveau de système, nous repasserons tout à l'heure pour voir un petit peu ce qui se passe dans ce Logitech. Donc c'est rapide, c'est efficace, configuration est assez complète puisque le menu de configuration se trouve directement ici, on a un menu, hop, on peut ouvrir ce menu, donc vous pouvez mettre en sombre, en clair, alors là c'est toujours le même principe, il va falloir appliquer. Là, il y a le menu qui s'ouvre tout en bas à droite. Hop, là, vous appliquez et vous aurez le menu qui va s'afficher. Ce n'est pas de l'instantané ici. Il faut appliquer les menus. Alors, toujours le menu intéressant, c'est ici un mettre en valeur les paramètres modifiés. Si je clique ici, vous allez voir des icônes qui vont s'afficher. Hop,
c'est parti. Donc, qu'est-ce qui va s'afficher? Donc, j'ai pas fait de grosses modifications, hein, l'apparence, le comportement de l'espace, et puis les raccourcis, il y a peut-être eu des petits changements là-dessus, mais rien d'extraordinaire. Hein. Donc, comme d'habitude, hein, c'est une Kubuntu, hein, donc là, les réglages à foisson hein, sur cette distribution, il suffit de prendre le temps, mais bon, en fin de compte, on retrouve ces menus assez facilement. Hein. À propos du système, on peut le voir, on est en mode X11 hein, au niveau de l'interface graphique, on n'est pas en Wayland. Et la version Qt, c'est 5.12, hein, version Qt, hein, c'est un peu comme LXQt, on utilise du Qt aussi. Et la version KDE Plasma, ben c'est la 5.24.3, c'est la dernière version hein, qui est disponible, hein, qui sera pour l'instant installée dans cette distribution. Bien sûr, elle ne va pas évoluer au fil du temps, on restera sur la 5.24, bon, 24.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 peut-être, mais ça sera toujours la 5.24, on ne passera pas à la 5.26. Hein. Ensuite, qu'est-ce que nous avons sur cette distribution? Ben, nous avons du KDE Connect, stockage amovible, hop. Donc c'est assez complet hein, cette distribution. Les sauvegardes, ben là c'est le logiciel qui est préinstallé pour faire des backups hein, sur ce système. Donc c'était une distribution assez sympathique. Hein. Donc nous avons 7 snaps d'installer sur cette distribution et nous avons du Brise GTK2 au niveau de l'affichage. Alors, juste pour info, ici, si je lance par exemple Kdenlive, hop, de temps en temps, de l'affichage de Kdenlive, vous avez des soucis au niveau de l'affichage des boutons. Par exemple, les boutons qui se trouvent ici ne seront pas visibles. Bon, il faudra aller dans Configuration ici, sur certaines versions, et puis là, il faudra aller dans les thèmes de couleurs, et puis recliquer ici, par exemple, soit le Brise classique, ou bien soit vous revenez dans le menu, vous remettez par défaut, et puis là, les menus vont réapparaître et vont s'afficher correctement, forcer le thème Brise, ou alors il faut peut-être relancer ce truc là. Enfin, vous jouez un petit peu sur ces menus là hein, si vous avez des problèmes d'affichage, comme on peut le voir ici par exemple. Là, vous voyez, là ils ont disparu les menus hein, donc il faudra jouer un petit peu là-dessus, décocher cette force là, refait continuer, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Bon, c'est pas toujours évident, mais on finit par faire réapparaître les menus qui nous manquent. Hop. Alors, nous allons donc lancer Firefox et voir un petit peu le temps de démarrage de cette Firefox. Tac, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, c'est encore un démarrage assez long quand même de ce Firefox. Il faudrait que je compare un petit peu avec ma distribution, mais ce n'est pas du tout ça que j'ai sur mon système. Si je fais CTRL-ALT-T pour aller voir un petit peu quelques infos, NeoFetch, System Analyzed Time, là j'ai quoi ? Snaplist, on va voir les snaplist. Donc là j'ai Firefox, hein. Firefox est en version snap hein, sur cette distribution. Alors est-ce que j'ai d'autres versions de distribution de Firefox? Non, je n'ai que du Firefox en version snap ici de disponible. Alors j'ai une de board qui est préinstallée. Connexion de bureau à distance, ce sera KRDC hein, pour connecter avec plusieurs ordinateurs. Si vous avez plusieurs ordinateurs chez vous, hein, ça sera ce système là qu'il faudra utiliser. Configuration du système, découverte de tablette. Pas de gros changements hein, sur cette distribution, c'est plutôt dans la stabilité que nous allons retrouver quelque chose d'efficace sur cette distribution. Alors ça fonctionne bien, hein, il n'y a pas de souci sur cette distribution. Là vous avez des informations sur les mises à jour, hein, vous voyez qu'il y a un petit menu qui apparaît ici. Et là bah, c'est bien sûr Discover hein, qui se lance hein, pour pouvoir faire toutes vos mises à jour. Donc rien de bien compliqué sur cette distribution, c'est ce que je trouve. Car c'est vraiment efficace, hein, ça fonctionne bien, il n'y a pas de souci, hein, c'est vraiment quelque chose de fonctionnel. Là on peut mettre par application par exemple, là on peut mettre les emplacements, là vous avez les emplacements, ordinateur, documents, hop, vidéo, donc ça c'est les vidéos, hop, c'est là que je vais retrouver mes vidéos, vos fichiers, nom de fichier à partir de mic, mon dossier vidéo qui doit se trouver ici avec la vidéo qui s'enregistre qui est ici. Donc c'est quelque chose qui fonctionne, hein, qui est réactif, hein, pas de souci avec cette distribution. Il faudra bien sûr naviguer un petit peu dans ce menu de configuration, mais bien sûr vous pouvez l'utiliser sans être obligé d'aller dans tous ces menus hein, qui sont assez complexes. Hein. Si vous voulez configurer aux petits oignons votre distribution.
Nous avons donc fait le tour de cette Ubuntu 22.04 avec toutes les versions, et comme vous avez pu le voir, rien d'extraordinaire, chaque distribution a évolué au fil du temps, et nous avons bien sûr quelque chose d'assez sympathique et fonctionnel sur chaque distribution. Alors vous avez le choix, donc n'hésitez pas à choisir la distribution qui vous plaît le mieux. Alors ne vous précipitez pas trop sur cette distribution, la 22.04, attendez un petit peu qu'elle soit stabilisée, le mieux c'est d'installer la 22.04.1. Mais si vous êtes à l'aise sur l'installation d'une distribution, n'hésitez pas à sauter le pas dès qu'elle sortira en version officielle à la fin du mois d'avril. Mais bien sûr, s'il y a quelques bugs, il ne faudra pas venir vous plaindre, il faudra juste être patient, que tout soit corrigé tranquillement au fil du temps. Je vous dis Kenabo et à bientôt.